C'est ce vendredi qu'arrive à Cotonou, au Bénin, le nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama. C'est sa première visite de travail dans le cadre d'une tournée ouest-africaine de prise de contact. Il y rencontre son homologue Boni Yayi, également président en exercice de l'Union africaine. Et rappelons qu'il succède au défunt Jonathan Mills, disparu le 24 juillet dernier. Restons au Bénin pour une autre visite, celle d'un roi, Tshifizié, représente au Bénin ses pairs africains qui réclament un statut juridique à l'Union africaine. Leur souhait est de contribuer plus activement au rayonnement culturel et au développement du continent, mais aussi à la résolution des conflits. Reportage de Shirelio Atawema, Daniel Abouki, commenté par Camille Thomas. Un message de réconciliation pour la famille royale béninoise, c'est l'objet de la visite au Bénin du secrétaire général permanent du Forum des rois d'Afrique, suite à la mésentente des têtes couronnées quant à la mise en place du Haut Conseil des rois du Bénin. Le roi Tshifizié a réuni les institutions royales protagonistes pour trouver un consensus. Selon lui, seule une chefferie traditionnelle unie pourra accompagner les politiques et être un facteur de développement. Pendant mon séjour, j'ai pris le temps de recevoir ceux qui n'avaient pas apprécié la méthode et les ramener à avoir un point commun, c'est-à-dire ce que les autres peuvent accepter et ce qu'eux ils proposent concrètement. Nous l'avons réussi et je crois que il n'y a plus l'équivoque élevé. Autre volet de sa mission, la préparation du prochain Forum des rois d'Afrique. Cette rencontre des chefs traditionnels va appuyer les actions du président en exercice de l'Union africaine et chef de l'État Boni Yayi. Notre rôle aujourd'hui, c'est de donner un sens, pas politique, mais culturel, aux fonctions du président en exercice de l'Union africaine. Parce que à chaque fois que dans un pays, le président sera en exercice de la grande responsabilité du continent, nous viendrons là pour apporter notre contribution. L'installation du bureau du Haut Conseil des rois du Bénin est la condition première à la tenue à Cotonou du prochain Forum des rois d'Afrique. À cet effet, de nouvelles directives seront adoptées, notamment l'autonomie financière des souverains et la lutte contre la pauvreté. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.